tous les prophètes. Les prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est un homme. Avant tout, c'est un homme. Qul innama ana basharun. Dit, ça c'est un verset coranique, dit que je ne suis qu'un homme. Yuha ilay. Je suis un homme qui a un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme, avant tout, qui a un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que c'est que ce lien? Ce lien, c'est comme un témoin, comme un flambeau que les prophètes se sont transmis. Ils veulent un prophète avec son flambeau. Quand on dit flambeau, on dit lumière. Il vient avec sa lumière. Il essaie de guider les gens, d'aider les gens, puis il partait. Il essaie un disciple, un autre prophète qui tient le flambeau. Et puis qui... Et c'est ainsi de suite. Tous les prophètes jusqu'au dernier, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des disciples qui se sont transmis le flambeau. Et cette lumière ne disparaît jamais. Il y a toujours sur la terre des gens qui tiennent ce flambeau. Des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et celle-ci-là, contente de ceci-là, c'est une filiation. C'est des gens qui se sont passés le flambeau. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut te guider vers lui, il te fait rencontrer des gens qui tiennent ce flambeau. Jésus, alayhi salam, Jésus, il avait un flambeau. À qui il l'a passé? Quel est le prophète qui l'a tenu après lui? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on suit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand on croit en Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour le flambeau qu'on le suit, qu'il a entre les mains. Ce même qui a été tenu par Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, loin de voir la personne de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a entre les mains, c'est son flambeau. C'est pour ça que le fait de s'arrêter à Jésus, par exemple, et ne pas croire à celui qui a tenu le flambeau après lui, qui est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ressent ce manque de lumière. Jésus ne le tient plus. Ce flambeau qu'on recherche, Jésus n'est pas le but. Parce que le flambeau, il a passé. C'est pour ça que quand on enrichit notre foi par la reconnaissance de la prophétie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on redécouvre cette lumière qu'on recherchait chez Jésus. Il faut passer au-delà des personnes et voir la lumière portée par ces personnes. Quand on se limite aux personnes, on se restreint. On se limite soi-même. Ce n'est pas Sayyidina Muhammad mon but. Mon but, c'est la lumière qu'il y a entre les mains. Ce n'est pas Jésus mon but. C'est la lumière qu'il avait entre les mains. Si Jésus me dit que je l'ai passé à Mohammed, je lui dis non, je veux que toi, que tu l'apportes. Je lui dis, moi, ça m'aille. Ma mission, elle est terminée. Je l'ai passé à Mohammed. Et Sayyidina Mohammed aussi, il l'a passé. Et j'espère qu'il est entre nous ce matin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse par sa miséricorde et sa grâce qu'il soit entre nous. Allah.